بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين Chers frères, chers sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, pendant ces quelques minutes qui nous sont imparties, Inch'Allah, nous allons essayer de continuer un petit peu dans la même lancée que la semaine dernière. Suite à de multiples sollicitations, suite à de multiples questions, beaucoup d'interrogations autour de ce sujet que j'ai choisi aujourd'hui pour nous, eh bien, on en a déjà parlé, on n'arrête pas d'en parler, et je réitère ici aujourd'hui ce message, Inch'Allah, espérant que le message sera profitable à tous ceux qui l'auront, et puis espérant qu'il se propage au maximum, Inch'Allah, au sein de la communauté, Inch'Allah, et de la société dans un sens plus large. La question de la sorcellerie. La question de la sorcellerie. As-sihru. Que dit l'islam par rapport à cela ? Est-ce que ça existe vraiment? C'est quelque chose qui existe vraiment. Et puis on verra, Inch'Allah, le statut de ceci, de la sorcellerie en islam. Et puis à la fin, Inch'Allah, on verra qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas y tomber, biznillah. La première chose à savoir, c'est que dans la croyance musulmane, en islam, cette notion de sorcellerie existe bel et bien. Cette notion de sorcellerie, as-sihr, c'est quelque chose qui existe. Le Coran nous en parle, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses hadiths, à travers la sunna, nous en parle. Donc, ceux qui pensent que ça n'existe pas, c'est quelque chose qui n'existe pas, eh bien, je vous invite à voir ce que le Coran en dit et à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dit. D'abord, dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque, dans un verset qui est un petit peu long, cette notion de sihr. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Le Coran mentionne que الشياطين enseigne la sorcellerie, la magie, tout ce qui va dans ce sens à des gens. Donc le Coran concrétise vraiment l'existence de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? En citant les 7 péchés capitaux, les plus grands péchés, al-kaba'ir, en les citant, dans l'objectif de nous mettre en garde, de ne pas tomber dedans, il cite la sorcellerie, al-sihr. Parmi donc les 7 péchés capitaux, il y a la sorcellerie. Ce qui prouve que la tradition musulmane, l'islam et la sunna, le Coran et la sunna, nous enseignent que c'est quelque chose qui existe.
Très bien. Maintenant, nous savons que c'est une réalité, ça existe. C'est quoi le statut de cette sorcellerie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est très simple. Déjà, dans ce hadith qu'on a évoqué, il nous a cité les sept péchés capitaux parmi lesquels il y a la sorcellerie, la magie. C'est dire que les savants sont unanimes que celui qui se lance dans la sorcellerie, celui qui apprend et utilise la sorcellerie, renonce à sa foi, tout simplement. Les savants nous disent que ça fait partie des choses qui font sortir la personne de l'islam. C'est-à-dire qu'à ce moment précis où tu as pratiqué la sorcellerie, tu cesses d'être musulman. Tu n'as pas la foi musulmane. Si tu te repentis par la suite, tu demandes pardon, tu reviens vers Allah, c'est une autre histoire. Allah, il accepte tout. Il pardonne tout. Par contre, au moment où tu la pratiques, si tu ne te repentis pas et que la personne décède dans ces circonstances, eh bien, la personne aura renoncé à sa foi musulmane et la personne sera décédée non musulmane. C'est grave. C'est très grave. C'est très grave parce qu'en fait, la sorcellerie nous mène dans le shirk, dans l'association. Pratiquer la sorcellerie consiste automatiquement, d'une manière ou d'une autre, à faire du shirk, l'association. Et c'est pour ça que c'est très grave, c'est très dangereux. Donc pour celui qui pratique la sorcellerie, eh bien, sachez que cela fait sortir de l'islam. Cela, la personne qui le fait renonce à sa foi musulmane. Si elle ne demande pas pardon, si elle ne se repentit pas, un repentir sincère, cette personne n'a plus la foi musulmane. Ça, c'est les textes qui nous le disent. Maintenant, c'est quoi le statut de la personne qui va chez quelqu'un qui pratique la sorcellerie? Par exemple, moi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me préserve et vous préserve, je ne pratique pas la sorcellerie. Mais je vais aller consulter ceux qui pratiquent la sorcellerie. C'est quoi mon sort à moi en faisant cela? L'islam nous enseigne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui fait cela, c'est-à-dire celui qui consulte quelqu'un qui pratique de la sorcellerie et que ce sorcier ou cette personne lui dit quelque chose et que cette personne croit en ce qu'on lui dit, eh bien il aura mécru ce qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi le Coran? En d'autres termes, en termes plus faciles, celui qui va voir quelqu'un qui fait de la sorcellerie et que il croit à ce que le sorcier va lui dire, eh bien, il aura mécru, il aura renoncé aussi à la foi et à la véracité du Coran. Celui qui renonce à la véracité du Coran, il cesse d'être musulman, il cesse d'avoir la foi musulmane. Et si cette personne ne se repentit pas, ne demande pas pardon, et revient vers Allah, il cesse d'être musulman, il cesse d'être croyant. Donc vous voyez, la sorcellerie, c'est un problème pour celui qui la pratique, mais c'est aussi un problème pour celui qui va consulter des gens qui font des choses comme ça. Très bien. Maintenant, nous savons que ça existe. Nous savons le statut, nous connaissons maintenant le statut juridique que dit l'islam par rapport à cela. La question qui se pose maintenant, est-ce que dans notre vie de tous les jours, notre quotidien, nos problèmes que nous rencontrons tous les jours s'expliquent par la sorcellerie? Il est là le point essentiel. Pourquoi? Parce que nous avons des gens, ils tombent malades, ils ont des pathologies que la médecine
connaît et maîtrise aujourd'hui, ils ne vont pas à l'hôpital, ils vont aller voir quelqu'un, entre guillemets, un raqi, quelqu'un qui fait la ruqya, pour que, soi-disant, ce raqi lui guérisse. C'est un vrai problème. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier, ils remettent la faute à la sorcellerie. On m'a fait du sihr. Il y a des gens qui ont des problèmes de couple, des difficultés au sein des couples, qui expliquent ces difficultés par le sihr, par la sorcellerie. On nous a fait ceci, on nous a fait cela. Et ainsi de suite. Des gens qui ne trouvent pas de boulot, ils expliquent cet échec par la sorcellerie. Tous les échecs, il y a des gens vraiment qui sont comme ça. Et il y en a de plus en plus. Je sais pourquoi je vous en parle. Parce que ça existe vraiment. Nous sommes submergés ici au sein de la mosquée par des questions de ce genre. Ruqya, ruqya, pourquoi ruqya? J'ai mal à la tête. Prends un doliprane. Va voir un médecin. Si ça ne va pas, ce que j'ai envie de te dire, les gens se trompent de piste quand ils ont des problèmes. Tu n'arrives pas à trouver du boulot, du travail? Revois ton CV. Revois la lettre de motivation. C'est peut-être ton domaine ne recrute pas beaucoup. Mais non, on pense à rien de tout ça. On m'a fait du sihr, on m'a aïen, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. C'est la faute aux autres. On ne se remet jamais en question, nous. C'est toujours la faute aux autres. Des problèmes de couple, des incompréhensions, ça arrive. Figurez-vous que même la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des problèmes de couple. Il a eu des crises au sein de sa vie de couple. Eh bien, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas un autre qui fera l'exception. La vie de couple, est par définition faite de haut et de bas. Il y a des moments agréables et il y a des moments parfois de turbulence, des moments de difficulté, des moments d'incompréhension. Et dès que ces moments de turbulence arrivent, on m'a fait du sihr, on nous a fait ceci, on nous a fait cela. C'est peut-être un problème de comportement, c'est peut-être un problème d'attitude, c'est peut-être un problème de communication, c'est peut-être un autre problème. Mais non, on oublie tout ça, c'est la faute aux autres, on ne se remet pas en question. Tu es sur une fausse piste si tu réfléchis comme ça. Tu vas faire ruqya 1000 fois, tu vas te faire réciter le Coran plusieurs fois. Ça ne t'apportera pas la solution. Si c'est un problème de comportement, ce n'est pas la ruqya qui va résoudre ce problème. Si c'est un problème de communication, ce n'est pas la ruqya qui va résoudre ce problème. Si c'est un problème de CV, ce n'est pas la ruqya qui va résoudre ce problème. Entendez bien que ça existe. Il y a des situations, il faut le reconnaître, il y a des situations où des gens sont vraiment touchés par la sorcellerie. Ça existe. Ça existe. À ces gens-là aussi, le conseil que j'ai à donner, ce n'est pas d'aller chercher un raqi. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens, des mal intentionnés, des gens qui sont de mauvaise foi, qui utilisent, qui profitent de ce mal-être, du mal des autres. Parce que quelqu'un qui est malade, il est prêt à tout pour retrouver sa santé. Quelqu'un qui est malheureux, il est prêt à tout pour retrouver le bonheur qui lui manque. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller voir des, entre guillemets, des raqis professionnels, entre guillemets, et ces gens-là vont profiter, ils vont abuser d'eux dans tous les sens du terme. Financièrement, physiquement, psychologiquement, ils vont les détruire. Ils vont commencer à te dire, on t'a fait ceci, on t'a fait cela, quelqu'un de ta famille a... Ça y est. Quelqu'un qui vous parle de cette manière, dites-vous que vous avez un menteur en face de vous. Excusez-moi du terme. Al-Ghaybiyat, ce qui relève de l'invisible, relève d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment quelqu'un qui ne connaît pas l'invisible peut t'expliquer que on t'a fait ci, on t'a fait ça, quelqu'un de ta famille qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais fréquenté, il ne sait, connaît pas ta situation, il te sort des choses qui relèvent de l'invisible. Comment pouvons-nous concevoir cela? Comment pouvons-nous concevoir cela? Alors,
la meilleure attitude à avoir, c'est d'abord se remettre en question quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, quand il y a une épreuve, quand il y a des moments difficiles, c'est de se remettre en question, de se dire d'où vient ce problème que j'ai aujourd'hui. De chercher vraiment de manière objective à trouver le problème. Parce que si vous vous trompez au niveau du diagnostic, entre guillemets, eh bien vous allez vous tromper sur le remède. Pour ceux qui seraient touchés par la sorcellerie, voilà ce qu'il faut faire. N'allez pas chercher des raqis. Apprenez à vous faire la ruqya vous-même. C'est la ruqya la plus efficace. Et en fait, il n'y a pas besoin de connaître tout le Coran. Il n'y a pas besoin d'être, si vous voulez, non. La première chose, c'est votre cheminement vers Allah. C'est votre pratique de tous les jours. Faites-vous vos 5 prières correctement. Gardez-vous vos ablutions à tout moment, même si ce n'est pas pour la prière. Est-ce que vous faites vos invocations du matin et du soir? Est-ce que vous faites de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'avant de dormir, vous récitez surat al-Fatiha, ayat al-Kursi, les 3 dernières surat, qul huwallahu ahad, qul a'ouzu birabbi al-falaq, qul a'ouzu birabbi an-nas? Si vous le faites, sachez que vous n'avez pas besoin d'un raqi, vous faites vous-même la ruqya et c'est la ruqya la plus efficace. Et si vous ne le faites pas, ben voici, voilà, faites-le. Je parle de tout le monde, qu'on soit touché par ça. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, nous demande de réciter cela et qu'à travers ces récitations, ces invocations, ces prières, Allah nous protégera? C'est parce que eh bien, il sait qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Il y a ce mal occulte qui existe, comme nous l'avons évoqué au début. Ça existe, c'est un problème qui existe. Et puisque ça existe, voilà le remède, voilà la solution. La solution, c'est quoi? C'est votre cheminement, c'est votre rapport avec Allah. Mais tu ne fais pas ta prière. Tu es croyant, tu es musulman. Tu ne fais pas correctement tes prières, tes ablutions. Des invocations, tu es très loin du Coran, tu es très loin de zikr. Forcément, tu es exposé. Tu t'exposes. Donc voilà, votre pratique de tous les jours, vos 5 prières, correctement, bien comme il faut. Gardez vos ablutions à tout moment, même en dehors des heures de prière. Les invocations du matin et du soir, apprenez-les. Et faites-vous vous-même la ruqya. Arrêtez de courir derrière des gens. Faites-moi ruqya, faites-moi ceci, faites-moi cela. Si réellement vous avez besoin de cette ruqya, celle que vous allez vous faire vous-même, elle sera la plus efficace. Parce que vous savez de quoi vous souffrez. Vous savez c'est quoi, qu'est-ce qui vous fatigue, c'est quoi votre mal. Et vous vous tournez vers Allah. C'est Allah qui guérit, ce n'est pas les raqis. Ce n'est pas les raqis. Donc intégrez bien cela. La sorcellerie n'explique pas tous nos échecs, tous nos problèmes. Aujourd'hui, c'est devenu une maladie. Dès qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Ce n'est jamais sa faute à soi-même. C'est toujours la faute aux autres. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous l'avons dit. Ça existe. Il y a des gens qui sont touchés par ce fléau, mais beaucoup, une grande partie des gens qui demandent une ruqya, en fait, c'est des gens qui ont choisi la solution la plus facile et pas forcément la plus efficace. C'est la faute aux autres. S'ils ne trouvent pas du boulot, c'est la faute aux autres parce qu'on m'a fait du sihr. Si je suis malade, j'ai une pathologie, c'est la faute aux autres. C'est jamais soi-même, c'est jamais une épreuve d'Allah, c'est toujours la faute aux autres. Non. Sortons de ces fausses idées. Sortons de ces fausses idées parce qu'elles nous rendent malades. Elles nous rendent malades et elles gâchent nos activités, nos quotidiens et nos avenirs. C'est souvent, je le dis bien et le répète, c'est souvent de fausses pistes que d'aller courir derrière des raqis.
Ça ne devrait pas exister, un raqi, quelqu'un qui fait ruqya, ça ne devrait pas exister. Chacun de nous apprend à le faire. Et je vous ai dit, il n'y a pas besoin de connaître tout le Coran. Il n'y a pas besoin d'être, je ne sais... Non. Les 5 prières quotidiennes. Garder ses ablutions. Garder une relation de proximité avec Allah à travers le Coran. Lire, réciter, écouter beaucoup le Coran. À la maison. Chercher à cheminer vers Allah. Les invocations du matin et du soir. Les invocations que chacun doit faire avant d'aller au lit. Voilà un raqi sérieux. Je parle, s'il y a un raqi sérieux, c'est ce qu'il va vous faire. C'est ce qu'il va vous réciter, pas autre chose. Donc, c'est vraiment un message et un appel que je lance à toute la communauté, à tous les gens qui sont bloqués, qui se bloquent eux-mêmes par ce fléau. C'est devenu une maladie. Une maladie. Wallahi al-Azim, croyez-moi, on est submergé à la mosquée par des gens qui demandent ruqya. Et si tu demandes pourquoi tu veux une ruqya, il te dit parce que j'arrive pas à me marier. Si tu n'arrives pas à te marier, c'est pas parce que, c'est pas forcément quelqu'un qui t'a fait du sihr. C'est pas quelqu'un qui t'empêche de te marier. Tu n'as pas trouvé la bonne personne. Tu n'es pas prêt. Tu n'as pas pris la bonne démarche. Continue, fais des invocations. Et quand bien même tu aurais besoin de ruqya, toi-même tourne-toi vers Allah. Demande à Allah de te faciliter ce que tu veux. Demande à Allah de t'accorder ce que tu veux. Arrête de courir derrière des gens. Des gens, des charlatans qui vont te plonger dans ton mal, dans ton mal-être, dans ton malheur. J'espère que ce message sera utile, il sera entendu et sera utile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir la compréhension saine de l'islam et que qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Mais sachez que il faut faire ce pas vers Allah. Si nous voulons être protégés contre tout ça, en fait, ceux qui font de la magie, de la sorcellerie, ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts, ils sont très faibles. Le problème, c'est toi qui as peur de la sorcellerie, c'est toi qui es faible. Ce n'est pas eux qui sont forts. C'est toi qui es faible. Par contre, quelle que soit leur faiblesse, si toi tu es faible, tu n'as pas de cheminement, tu crois en ça, tu restes accro à ça, ils vont t'atteindre. Ils vont t'atteindre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et nous protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse les personnes qui sont malades et qu'il fasse miséricorde à toutes les personnes qui sont décédées et qu'il nous préserve, nous autres, incha'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.